Près de 10 mois après la fin de l'édition 2022 de The Voice Kids, Télé Loisirs vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle saison du concours de chant animé par Nikos Aliagas et diffusé sur TF1 depuis le mardi 4 juillet. Qui sera la plus belle voix de 2023? Avec 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne, la saison 8 de The Voice Kids a enregistré de très bons scores, surtout auprès du public féminin, avec 29% de part d'audience sur de la cible commerciale. Un record depuis 2016. Fort de ce succès, la production a confirmé l'arrivée d'une 9e saison, toujours présentée par l'indéboulonnable Nikos Aliagas. Côté coulisses, l'animateur qui a annoncé son départ de 50 Inside passera le relais à Karine Ferry, dont le rôle sera d'épauler les talents, âgés de 6 à 15 ans. À quoi peut-on s'attendre pour cette nouvelle édition? Télé Loisirs vous donne des éléments de réponse. The Voice Kids 2023, quand aura lieu la prochaine saison? Quand sera diffusée la saison 9 du télécrochet? Comment voir les primes en replay? L'année dernière, la saison 8 avait été diffusée à partir du 20 août avec une finale le 8 octobre. Mais pour cette nouvelle saison, TF1 a décidé de proposer ses épisodes inédits dès le mardi 4 juillet à 21h10. La raison? La Coupe du monde de rugby, dont le lancement aura lieu le 8 septembre, va chambouler la programmation de la Une. The Voice Kids démarre donc plutôt pour éviter la concurrence de l'événement sportif. Les primes seront à regarder en replay sur le site de MyTF1. Slimane, Nolwenn Leroy. Qui sont les nouveaux coachs de la saison 9 de The Voice Kids? Principale nouveauté cette saison, l'arrivée de Nolwenn Leroy, bientôt à l'affiche d'une série pour TF1, et Slimane aux côtés de Kenji Girac et Patrick Fiori sur le banc des jurés. Lors de la finale de la version adulte, le 3 juin dernier, la chaîne a diffusé les premières images de The Voice Kids 2023 dans une bande-annonce émouvante. En effet, nous pouvons y voir Slimane, en larmes, déclarer « ça m'a rempli le cœur. Je ne fais que chialer, me retrouver sur le banc de coach avec vous tous, sincèrement vous ne pouvez pas savoir ce que c'est pour moi. The Voice, ça change la vie des gens. » Le chanteur de 33 ans en sait quelque chose puisqu'il avait remporté la saison 5 de la version adulte en 2016. The Voice Kids 9, y aura-t-il des co-coachs lors des battles aux côtés du jury composé de Patrick Fiori, Nolwenn Leroy, Kenji Girac et Slimane? La réponse est oui. Pendant la conférence de presse de The Voice Kids saison 9, ce lundi 12 juin 2023, Pascal Guy a aussi révélé les noms des personnalités qui assisteront les quatre coachs pendant les battles. Leur rôle, les aider à faire répéter les jeunes talents. Lors de ces épisodes, vous retrouverez donc Claudio Capeo et Vita avec Slimane, Icar et Christophe Willem dans l'équipe de Patrick Fiori, Nolwenn Leroy sera accompagné par Joyce Jonathan et Bilal Hassani, et enfin Weshden ainsi que Soulki soutiendront Kenji Girac. The Voice Kids 2023, une nouvelle règle pour les coachs inspirée de la version adulte du télécrochet afin de rafraîchir le programme lancé en 2014, la production a décidé de changer un peu la mécanique de son jeu. Elle a inclus une règle déjà existante dans la saison 12 de The Voice. Le super bloc est arrivé chez les enfants et ça donne des moments assez croustillants, a révélé Pascal Guy, le producteur artistique, pendant la conférence de presse, le 12 juin dernier. Pour ce qui est des épreuves, nous avons gardé le même format que la saison dernière qui fonctionne extrêmement bien avec les enfants, a-t-il indiqué. Cette édition 2023 devrait donc se composer de 4 épisodes consacrés aux auditions à l'aveugle, 2 soirées de battles, une demi-finale, puis la finale.
Quel est le gagnant de la finale de The Voice Kids 2022? Le 8 octobre dernier, après 8 semaines de compétition, Renaud, favori de cette édition, a remporté la saison 8 face à ses jeunes concurrents, Logan de la team Julien Doré et Sana, la candidate de Louane. Élu par le public, c'était le seul garçon encore dans la course pour disputer cette prestigieuse finale. En gagnant The Voice Kids, le talent de 11 ans et originaire de La Réunion a aussi offert une quatrième victoire à son coach Patrick Fiori. Quand reprend The Voice? Quand commence la prochaine saison de The Voice? La saison 12 de s'est terminée début juin, après 15 semaines de compétition, sur la victoire écrasante d'Aurélien Vivos, le talent de Zazie, face à Micha avec près de 68% des suffrages. Pour l'heure, la production prépare la prochaine édition et caste de nouveaux candidats. Comme pour les précédentes années, la 13e saison devrait donc être tournée d'ici la fin de l'année pour une diffusion le premier trimestre 2024. Comment aller à The Voice Kids 2023? Comment assister au tournage de l'émission? Chaque année, les enregistrements des différents épisodes se font en public et tout le monde peut y accéder. Pour ce faire, il suffit de s'inscrire à l'émission sur le site internet de l'agence Cassandra qui gère la venue des spectateurs sur le plateau du télécrochet de TF1. Comment s'inscrire à The Voice Kids 2024? Le casting de la prochaine édition n'est pas encore ouvert et la date de la prochaine édition n'est pas encore connue. The Voice Kids 2023, éliminé, talent retenu, équipe des coachs. Les résumés des primes The Voice Kids, le résumé du premier épisode diffusé le mardi 4 juillet diffusé le mardi 4 juillet, le premier épisode de la saison 9 de The Voice Kids a été riche en émotions, mais aussi en surprises. Les coachs ont été très étonnés de revoir Oriane, lycéenne qui avait intégré l'équipe de Patrick Fiori dans la précédente édition du Télécrochet. Après avoir vu son parcours être stoppé en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'adolescente a retenté sa chance en rejoignant cette fois-ci l'équipe de Nolwenn Leroy. Les jurés ont également fait la connaissance de Néo, qui a souhaité rendre hommage à Grégory Le Marchal en reprenant la chanson SOS d'un terrien en détresse et a livré un témoignage bouleversant sur le harcèlement scolaire dont il a été victime. Enfin, si Slimane a laissé couler quelques larmes devant la prestation de Durel, Kenji Girac, lui, a été ravi de retrouver Iliana, une jeune candidate qui a dansé dans l'un de ses clips. À l'issue de cette première soirée, 10 candidats ont été sauvés par les coachs. Patrick Fiori a déniché 4 talents, Léna, Lucie, Néo et Lucas. Kenji Girac en a raflé 3, Théo, Taïo et Iliana. De son côté, Slimane a obtenu 2 talents avec Chérine et Durel. Enfin, Nolwenn Leroy n'a qu'une seule candidate dans son équipe, à savoir Oriane. The Voice Kids, le résumé du deuxième épisode diffusé le mardi 11 juillet. Le deuxième épisode de The Voice Kids a tenu toutes ses promesses. Pour cette soirée musicale, Kenji Girac, Nolwenn Leroy, Slimane et Patrick Fiori ont continué à composer leurs équipes. Pour ce faire, ils ont découvert de nouveaux talents, notamment Zoé qui a déjà participé au Télécrochet, mais en Belgique. Si elle a souhaité revenir dans la compétition, si est-y pour prendre sa revanche. Elle a d'ailleurs choisi Patrick Fiori, alors qu'elle souhaitait être dans l'équipe de Slimane. Un choix qu'elle a expliqué en exclusivité pour Télé Loisirs. Lou Agathe a aussi marqué cette deuxième soirée d'audition, elle qui a obtenu une belle surprise de la part de Vianney.
Slimane a une nouvelle fois été ému par la prestation d'un jeune talent. En effet, il n'a pu retenir ses larmes devant Maëlys qui a repris un de ses tubes écrits pour sa fille, Esmeralda. Enfin, Patrick Fiori s'est fait prendre à partie par la Benjamine de cette saison, Charlie. À l'issue de cette deuxième soirée, 9 candidats ont été sélectionnés par les coachs. Slimane a dégoté 2 talents, Maëlys et Lilou. Nolwenn Leroy a ajouté 3 candidats à son équipe, Arthur, Lou, Agathe et Charlie. Quant à Kenji Girac, il a accueilli un seul talent, Thaïs. Enfin, Patrick Fiori a déniché Zoé G, Léonore et Matisse. The Voice Kids, le résumé du 3e épisode diffusé le mardi 18 juillet. Le 3e épisode des auditions à l'aveugle de The Voice Kids a une nouvelle fois été chargé en émotions et en surprises. L'émission a commencé avec Jade, qui a réussi à bluffer Nolwenn Leroy, Kenji Girac, Slimane et Patrick Fiori. À la fin de sa prestation, Slimane a décidé de superblocker son ami Corse, une décision qu'il a eu beaucoup de mal à digérer. Les coachs ont découvert de nouveaux talents incroyables, dont Nathan, 9 ans, qui a été submergé par l'émotion. Une autre candidate s'est présentée en reprenant la version du titre à fleur de toi proposée par Slimane lors de sa propre audition à l'aveugle lors de la 5e saison de The Voice et le coach a beaucoup douté avant de finalement se retourner. Maëlys, une adolescente de 13 ans, s'est présentée sur la scène accompagnée au piano par son frère, Florent, candidat de la 7e saison de The Voice. Quant à Kenji Girac, il a raté un jeune talent prometteur en appuyant trop tard sur le buzzer. À l'issue de cette 3e soirée, 9 nouveaux talents ont intégré l'aventure. Slimane a ajouté 3 talents à son équipe, Jadem, Leandro et Maëlys M. Kenji Girac a déniché 2 jeunes chanteuses prometteuses avec Marika et Bella. De son côté, Nolwenn Leroy a également accueilli 2 candidats, Maë et Margot. Quant à Patrick Fiori, il s'est aussi dégoté 2 jeunes chanteurs, Nathan et Matteo. The Voice Kids, le résumé du 4e épisode diffusé le mardi 25 juillet diffusé le mardi 25 juillet, l'avant-dernier épisode des auditions à l'aveugle de la saison 2023 a offert de jolis moments d'émotion aux téléspectateurs de TF1. Avec notamment la prestation d'Esteban, qui est le buzz du cœur de la saison de Slimane. Sans parler de Lina qui a mis tout le monde d'accord avec sa reprise de Cordiceux. Victime de harcèlement scolaire au même titre que Valentin, cette dernière a pu prendre une belle revanche. De son côté, Slimane a évoqué ses problèmes de poids alors qu'Iskandar a permis de terminer la soirée en beauté. Qualifié de martien, le jeune homme fait désormais figure de favori. 10 talents ont en tout été sélectionnés, Esteban, Roman et Adam, Team Slimane. Lina, Valentin et Emma, Team Kenji Girac. Aileen, Eva et Iskandar, Team Nolwenn Leroy. Madeleine, Team Patrick Fiori. The Voice Kids, le résumé du 5e épisode diffusé le mardi 1er août diffusé le mardi 1er août, le 5e et dernier épisode des auditions à l'aveugle de la saison 2023 a permis aux 4 coachs de The Voice Kids de remplir les rangs de leur équipe respective. Au total, 48 talents sont qualifiés pour la prochaine étape des battles. On retiendra particulièrement la prestation de Lise ou encore celle de Maxence, qui chante pour s'évader après un terrible drame personnel, la disparition de sa grande sœur.
Enfin, dans un registre plus festif, Kenji Girac a commis une belle boulette alors que la dernière prestation des auditions à l'aveugle a été l'objet d'une séquence inédite dans l'histoire du télécrochet. Une bonne manière de relâcher la pression avant d'entamer la deuxième étape du concours. The Voice Kids, pour le lancement des Battles le mardi 8 août, 8 célébrités viennent épauler les coachs CIST partis pour le lancement des Battles ce mardi 8 août. Une étape que seulement 48 chanceux pourront découvrir puisque chaque coach a le droit à 12 candidats. Pour accompagner les coachs dans leur choix, 8 célébrités seront de passage pour assister aux répétitions et offrir leurs meilleurs conseils aux talents avant leur prestation. Slimane pourra compter sur Vita et Claudio Capeo. Bilal Hassani, ancien membre du jury de Danse avec les Stars, sera présent pour soutenir la team de Nolwenn Leroy avec l'aide de Joyce Jonathan. Kenji Girac aura pour co-coach Weshden et Soul King. Enfin, Christophe Willem et Icar débarqueront dans les coulisses de l'émission pour travailler avec l'équipe de Patrick Fiori. The Voice Kids, le résumé du sixième épisode diffusé le mardi 8 août à l'issue de la première soirée de Battles dans The Voice Kids, les coachs ont dû se séparer de certains de leurs talents pour en soutenir d'autres lors de la demi-finale. Ainsi, Slimane conserve Durel et Maëlys. Patrick Fiori emmène Lucie et Nathan en demi-finale. Nolwenn Leroy sauve Oriane et Iskandar. Et Kenji Girac poursuit la compétition avec Taïo et Théo. On your own, but